Ça qui a passé en Haïti, à tout côté sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, un journal qui prend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre bord de l'eau, la guéo dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir au journal Gazette Créole qui rentre la caillou. Mes titres qui peuvent dominer l'actualité pour lundi 4 juillet 2022 sur Radio Vision 2000. Bandi avec ZAM assassiné 4 employés MSC Group dans le Canaran sur route nationale numéro 1. Bandi au pied, cargaison bois victime de transporter. MSC Group déploré la mort tragique employé Saoli estimé qui inacceptable pour lancer appel à l'autorité pour résoudre le problème insécurité. Ça. Claudie Jonas mourit assassiné dimanche dans la cabaret Babal, individu obsiculé dans une machine, victime n'a été recevoir plusieurs balles dans Dolly funérailles. Policier régional Villepigue chanté samedi passé à Delma 101. Policier ça qui était blessé grave dans une attaque bandit, 4 marozo été fait 17 juin passé à dans quoi des bouquets. Il était sorti dans la 20e promotion police là. Il était mort 2 jours après dans l'hôpital Bernard Meuse. Par un enquêtement mouet ta major police là qui était assisté à funérailles ça après un frère d'amené qui pas t'avlé non le cité. La police avec agent la douane dans port de paix saisit plusieurs armes avec 120 000 cartouches. 1er juillet passé à la région Saraforce audio arrêté Fritz Jean Rélus alors que il a cherché Marie Guerlaine estimable, Wilfried estimable avec Edi La France dans cadre affaire ça d'après directeur départemental Nord-Ouest PNH là Jean-Bruce Myrtille. Il a annoncé tout gain disposition qu'a prend contre JJ Cargo Shipping Lines qui était transporté illégalement zamyo avec munitions. La police a annoncé après discussion qui était gain avec Banque Nationale Crédit, il y a une entente qui joigne pour mettre cop sur 4 débio à partir mardi 5 juillet. Faut que nous dit que divers policiers qui prévoient pour t'organiser yodi à la un mouvement protestation devant bureau BNC à Delma 52 pour t'exiger concerné au mettre cop sur 4 yo. Premier ministre Ariel Henry a participé dans la 43e réunion CARICOM dans Suriname, qui a fini demain mardi 5 juillet. Il y a plusieurs points qui ont discuté pendant le rencontre. Ça, tant que situation générale Haïti, processus intégration pays à la marché avec l'économie unique CARICOM, financement climatique et la trier. La protonée, monsieur. Pas encore bonsoir tout le monde technique là c'est Evans Alcime et puis dans micro à Nativita Prioli Pierre-Louis. Nous retournons pour l'état information yo Haïti insécurité gain 4 employés MSC Group qui mouri en babal bandi et exam nan Canaran. MSC Group dit déplorer la mort tragique et inacceptable employé sa yo vendredi 1er juillet 2022 lorsque yo t'a transporté un cargaison bois conteneur et bandi yo te pillé li drame sa fait nan Canaran sous national numéro 1. Quatre et monsieur Sayo qui c'est qui perd de la vie c'est père de famille et qui a travaillé dur rivé et perd de la vie dans mauvaises conditions lorsque il tape et mène activité qui légale pour entrer comme et pour capable et vivre d'après ça capable dans notre MSC et groupe mettez dehors pendant les dit li coumel bien bas devant et dépouille victime yo et présenter tout sincère condoléances li ak famille ça qui a vivre un gros drame ça. MSC groupe insisté pour dire que disparition quatre employés ça yo ta vinn tout un appel qui lancé par chaque monde et c'est là qui concerné surtout pour prendre responsabilité yo pour permettre sécurité à retourner dans pays à avec tranquillité sur territoire. Et MSC Group fait connaître tout, cauchemar ça qui a persisté à, en plus de ça, l'insupportable, mais tout livre les droits pour monde circuler sans problème dans la communauté. Jean ça a dit dans la loi avec convention que qui n'a pas à droit monde, que Haïti lui-même lui fait partie. À. Autorité, la police avec la douane dans port de paix, est arrivé saisi vendredi
1er juillet 2022, il y a une grosse quantité de munitions, armes avec une quantité d'argent qui était gagné good et puis et devises américaines. C'est en valeur 120 000 cartouches, il y a été arrivé joint qui est réparti comme ça. 157 caisses, il y a 3 armes qui étaient joint tout, 30 chargeurs, 3 890 $ américains avec 814 343 goudes. C'est un bateau et navire Miss Lily qui t'a transporté, qui sorti en Floride aux États-Unis. Il a été saisi dans le port de PA et de la caille tout, dans certains, et dit la France. Fritz Jarelus, journaliste national, lorsque force audio a cherché Marie-Guerlaine estimable, Wilfred estimable avec Eddie Lafrosse, dans le cadre d'affaires Sahara, qui a rapport avec trafic d'armes et puis et cartouche. D'après sa directeur de l'Atlantique Nord-Ouest PNH, Jean-Bruce Mertil fait connaître, il a annoncé tout une disposition qui prend coton et cargo shipping airlines qui a transporté armes avec et munitions et tout. On a écouté précision, commissaire divisionnaire Jean-Bruce Mertil. La police nord-ouest, après la surveillance, la douane, saisie sur Wafford Bay, à Caille et de la France, 120 000 cartouches qui étaient dans 157 caisses qui étaient réparties comme ça. 114 000 cartouches 556, 2 000 cartouches 9 mm, 4 000 cartouches 762. La police saisit tout, 2 pistolets 9 mm, un revolver calibre 38, 38 chargeurs AK-47, 20 fours AK-47, 3 890 $ américains avec 814 343 gourdes. Zam ak munitions illégales sa yo, te sorti dans l'État Floride, yo rentré à bord un bateau qui pote nom Miss Lily. Après fouille qui te fait kay et la France, qui te déjà recevoir 7 dans caisse cartouche sa yo, ak yon drone qui pourra récupérer, la police nord-ouest arrêté Fritz Jean Relus, un présumé complice. Sur l'ordre commissaire gouvernement pour le PA, M. Michel Virgin. Il y a envie de recherche contre trois mondes dans le dossier ça. C'est Marie-Guerlaine estimable, la Coulfrit estimable, qui sont deux mondes qui n'ont trafic d'armes à munitions entre États-Unis et Haïti. Yon, c'est un importateur, l'autre c'est exportateur. Troisième monde, c'est Eddie La France, c'est lui-même qui l'a en Haïti pour entreposer et distribuer des armes illégales. Il y a une autre disposition qui a pris en compte Gigi Cargo Shipping Lines qui était accepté prendre responsabilité pour transporter des armes à condition illégale. Toute opération ça a fait dans le cadre d'instruction directeur général là, sélection départementale là, pour être associé avec la douane, avec le parquet, et une manière pour former une task force départementale pour couper toute menace criminelle qui sont dans le pays étranger pour alimenter l'insécurité dans le pays. Il y a un individu avec un zamoun pas identifié qui a circulé dans une machine qui a assassiné hier dimanche dans Claudie Jonas en localité Bercy dans le cabaret. Il recevait plusieurs balles dans le dos d'après le juge de paix Maurice Lano qui a fait constat. Il a annoncé qu'il y a une enquête qui l'ouvre pour arriver jeune assassin. On nous suit précision juge Maurice Lano qui était dans le micro Paul-Edouard Eloi. Claudie Jonas, matin de 9h, lorsque membre de la population a constaté que j'étais à bon motocyclette, une machine sans plaque virée devant nous, j'étais bien le temps pour quitter la motocyclette là pour courir. Malheureusement, mes examens fusés, monsieur. Il recevait plusieurs projectiles au niveau de dos pour être cassé, pour être droit. Par contre, constat légal, monsieur fait, en attendant une enquête sur le crime pour déterminer auteur et co-auteur. Il y a un funérail policier régional Villepigue qui était chanté samedi passé d'Elma 101, les mêmes qui étaient blessés grave dans une attaque bandit 400 maroiseux qui ont été fait jeudi 17 juin passé en Accra des Bouquets. Régional Villepigue sorti dans la 26e promotion PNH là, était vu mourir suite à et blessé sans yo deux jours après dans l'hôpital Bernameuse. Pas gagné en quel moment au état-major la police là qui était assisté à funérailles. Ça d'après ça, mon frère d'amni déploré et lui-même qui pas décidé pour non le citer. On écoute Salte Dio dans le micro David Lochard. Le général Villepigue, c'est un policier, 26e promotion,
17 au 18 juin, M. Katsama Ozoyo était campé en bandition. Malheureusement, M. était quitté la Kaili. Selon toutes les formations que nous avons gagnées, même si moi je t'ai préparé pour M. pas très étonné pour le carrément arriver dans le travail. Et pas d'arriver dans la zone calvaire. Et puis, M. recevoir plusieurs projectiles, bien qu'il y a allé là, on va dire, qui touchait jusqu'à Fouali. Ça fait une nappe en pile, ça a été transporté au niveau du commissariat à Croix des Bouquets. Malheureusement, ça a pris plus le temps. Je t'ai fait effort de venir transmettre dans l'hôpital Benamé. Je t'ai fait une première opération pour lui, je t'ai demandé ça, malgré les santé venue, en 2006 qui était le 19 juin, je suis rendu souffle. Ce qui est étonnant, c'est un pile de marches familiales fait que tu as obtenu moi auprès de l'État, auprès des autorités policières. Famille te dit bon, il y a eu la printemps, je t'ai décidé pour le prendre moi. Eh bien, 2 juillet, je suis censé te posséder avec funérailles. Les noms viennent enterrement. Pas un grand policier sauf le commissaire qui était dépêché, mais après ça, pas aucun policier au niveau des commissariats, bien qu'il y ait dit son manque de coordination. C'est pas l'institution policière là qui était chargée de funérailles là? Non, c'est pas l'institution policière là. Au contraire, même l'institution policière là exige mon nom pas qu'être l'autre pièce. Il y a le commissaire gouvernement, parce que c'est le cadre de frontièrement, mais nous connaissons le pays, nous connaissons comment l'institution est une faible. Nous avons peur pour ne pas gagner trop de temps. Ça fait mon noter pour engagement et ça fait ouais. Monsieur Villepic, mouri 19 juin, ou est funéraire la fête et 2 juillet. La police, au contraire, même mettre obstacle par rapport avec une série de papiers qui ont été demandés pour te bailler avant de remercier le bail mort. Après l'enterrement fin de chanter, nous fait près de 1 an et demi, parce que l'enterrement est fait dans l'église Baptiste, face avec Delma 101. Ou dit, il finira la tête chanter dans Delma 101, dans quel cimetière il a déposé? C'est non pas que des souvenirs, hein, il a déposé. Mais en pile difficulté, je ne peux pas comprendre, parce que c'est le phobia. Mais mon famille, moi, pas qu'à aller à cause des gens bagayotés terribles, à cause des gens, monsieur, éviter l'homme, n'était pas par bandition, il y a même machine qui était croisée, ou il y a une pile sable, il y a été mis au niveau. Des zones. Tout le monde c'est dans le téléphone, il y a demandé si moi arrivé, mais avec un peu de difficulté, monsieur qui t'a conduit comme bien dit, c'est lui-même qui était dans la route là, et puis qui est obligé de arriver avec moi. C'est un nom encore qui est antigène, t'es dérangé famille. Famille t'es même dit quand tu battes à l'intérêt, tu t'as pas obligé de retourner pour te bailler la police, pour te dégager ou à le mettre le côté. Mais grâce à Dieu, je ne vais pas tirer sous machine mogla et puis je vais déposer le pack de souvenirs. Déclaration yon et frère dame et policier sa qui et même te et mouri et après 2 jours te blessé après attaque les 4 samaroso yon te fait et nan 17 juin passé à nan Kwale Bouke et Reginald Villepic donc alors et funérailles la qui te chanté samedi nan et l'église et Delma 101. La police annonce après discussion qui te gagné avec Banque Nationale Crédit, gagné en tête qui jeune pour mettre cob sur 4 débio à partir mardi 5 juillet. Faut que nous signaler gagné un groupe policier qui donc était prévu pour organiser jeudi à la un mouvement protestation devant bureau Ben dans ma 52 pour te cap exiger mettre 4 mettre cob sur 4 débio te menacer pour te cap franchir l'autre étape parce si après ça responsable concerné ou pas prendre disposition nécessaire pour te satisfaire revendication. Nous parlons dans la zone Port-de-Paix côté groupe Zami Jovan Moïse dans région ça annoncé il a fait un marche pacifique pour occasion commémoration premier anniversaire et assassinat et président Jovan Moïse là jeudi 7 juillet cap venir c'est à tout pour continuer à exiger justice en faveur des fins président avec pour famille détaillé avec Jocelyn Jolissin. Groupe les amis de Jovenel a préparé pour commémorer 7 juillet cap venir là premier anniversaire assassinat président Jovenel Moïse. Destima Raymond Fedner, yon nan dirigeant yo annoncé yon marche pacifique dans ville Port-de-Paix pour al continuement de justice pour chef l'État. Ancien directeur départemental jeunesse sport et action civique là fait connait c'est bon moment pour continuer mettre pression pour demander autorité yo prend bon genre disposition pour permettre vrai coupable yo qui d'après lui toujours dans la rue capable arrêter, juger et puis condamner. Et tout le monde connaît depuis le 7 juillet 2021, on sent qu'il a coulé dans les yeux. J'ai assassiné un président parce que monsieur était en vision pour le pays d'Haïti. Et nous n'avons pas d'accord que nous-mêmes qui n'avons pas défavorisé, au moins pour la vie apparaît l'autre gens pour nous. C'est pour raison ça, le 7 juillet 2022, qui a fait un an depuis que nous avons assassiné le président Jovenel Moïse, moi c'est le commencé très clair dans les yeux tout le monde. Tout le monde est tout donc cité et tout le monde qui a un problème personnel avec vision. Président Jovenel Moïse, pour marquer un an au niveau département nord-ouest, n'a bon match pacifique qu'a fait sous boulevard Jovenel Moïse, qui est dans la ville Port-de-Paix,
sorti Trois-Rivières, n'a pas monté Mont Calvaire pour nous continuellement de justice pour président Jovenel Moïse et nous dit rapide vite faut la justice lever pied parce que un an nous pas attendre encore. L'important pour nous rappeler, 58e président de la République d'Haïti, Jovenel Moïse, était lâchement assassiné par plusieurs mercenaires mêlés à Haïtien la Cali dans Pèlerin 5, matin 7 juillet 2021, un an après. Question à poser pour connaître est-ce que y a une volonté réelle, bon côté responsable pour président, famille et peuple haïtien, joindre justice. Joli Saint-Jocelyn, Port de Paix, Vision 2000. Merci, Jolie Saint-Jocelyn, tap informé du Port de Paix. L'autre pour l'actualité, Premier ministre Ariel Henry, dans cette délégation qui était payée à samedi pour aller sur Suriname, pour participer à la 43e réunion chef d'État à gouvernement CARICOM qui fête 3 pour 5 juillet à venir. Situation générale paysan, processus d'intégration Haïti dans le marché avec l'économie unique CARICOM, financement climatique, fait partie de divers points qui valent pour discuter pour de rencontre. Après réunion de la chef gouvernement, gagné pour faire plusieurs rencontres avec le chef gouvernement Paréli dans la région 1 sur divers sujets et qui gagne intérêt l'une pour l'autre d'après sa communiqué qui sorti dans le bureau communication primature fait connaître. L'Henri qui a retourné dans le pays demain mardi 5 juillet. Comité médiation et remettre et projet tête libre pour permettre que Haïti soit dans la crise là ben acteur que il arrivé consulter et en tant ça qui peut voir gagner une transition 2 ans toujours avec un exécutif qui gagne une seule tête qui a gagné dans le conseil ministre sous présidence premier ministre là dans l'être livre et bail et parti politique et puis organisation dans société civile là jeudi 24 juin passé à comité médiation qui a donné monseigneur Roger Beauvoir homme d'affaires Laurent Saint-Cyr et puis professeur Jean-Robert Charles te baillon valeur 48 avec parti ça a voté réagir sur document et on a suivi un reportage avec Michel Xavier. Malgré ont été contesté depuis là ont été décidé créer dans mois avril passé à comité médiation qui gagne la donne, président chambre commerce et industrie pays d'Haïti, avec président conférence recteur et président université pays d'Haïti, présenté semaine ça, par acteur concerné, projet entente pour sortir crise LIA. Travail à pas facile du tout. Pendant environ 2 mois, Roger Beauvoir, Laurent Saint-Cyr et Jean-Robert Charles, t'es dégagé au Koumet Jean-Jacques pour chita avec signataire accord 11 septembre, accord Montana, ak plus passé en cinquantaine responsables partis politiques, regroupement syndical, populaire, syndicaliste ak membre dans société civile là. Objectif là, c'était après consultation sa yo, joindre entente dans l'idée pour établir un climat la paix sociale ak politique dans pays ya et puis mettre camper gouvernance consensuelle là dans formation gouvernement coalition. Malgré situation insécurité ya, comité médiation bouclé diverses rencontres li t'a fait dans presque tout département géographique pays ya. Sans le pas arriver convaincre signataire comme Montana pour participer yo même tout dans consultation ça yo dans document ça yo soumettre by personnalité parti à regroupement yo té consulté yo pour by commentaire et puis déposer signature yo mentionner ça nous pral li la yo signataire entente yo reconnaître nécessité gagner pour fixer une date limite pour période transition wan. Période maximale transition ça c'est 24 mois cap commencer même moment au fin signer projet entente là. Objectif entente nationale ça c'est réaliser élection libre honnête et démocratique dans pays là dans l'idée pour établir l'ordre constitutionnel yo. Et dans un délai qui va dépasser 20 jours à partir date yo signer document, Premier ministre Ariel Henry a bien pour chita parler avec signataire yo dans l'idée pour former un nouveau gouvernement consensus et inclusif cap gen la donne diverses personnalités qui gagne expérience, compétent, honnête et puis qui gagne capacité pour gérer situation politique moment. C'est conseil des ministres sous présidence Premier ministre cap gen pour assurer travail pour voie exécutif là. Nouveau gouvernement dit consensus et inclusif là a bien pour mission parmi l'autre organiser élection dans pays a résoudre problème insécurité a pencher sur problème qu'a brassé bill la cour cassation a et puis mettre camper un comité expert 5 membres qu'a gain pour mission compiler et puis analyser tout document qui disponible qui gain à voir avec révision réforme et puis amendement constitution a yo prévoit mettre camper tout yon structure qui relait conseil surveillance ak suivi entente là qui gain pour sig CSSE c'est lui même qui a gain pour contrôler action gouvernement transition dit inclusif là organise ça a gain la donne diverses personnalités tant que président tirer sénat république là protecteur citoyen président l'ordre comptable agréé président fédération bao pays d'Haïti
yon représentante dans l'organisation féminine yo, yon représentant dans secteur affaires, organisation diaspora, fédération centrale syndicale yo, ak yon représentant dans université yo. Tout signataire projet entente nationale là, même jantou ak premier ministre là, doit engager yo pour respecter solennellement et puis faire respecter toute disposition qui gagne dans acte patriotique ça et puis pour signer sans pas forcer personne. Li important pour nous souligner dans une correspondance yo annexé dans document entente nationale là, yo bay concerné yo yon délai 48 heures pour agir après au fin recevoir document. Yo bien pour yo dit si oui organisation ou bien regroupement yo la donne à bas approbation dans projet entente là et puis fait qu'on est-ce que disposé signer. Yo capable tout proposer quelques modifications si yo voulez. Michel Xavier, Vision 2000. Merci Michel Xavier.